Quasiment à l'heure. Je suis salement doué. Bonsoir tout le monde. Bonsoir le bon gros chaton. J'ai une nouvelle pour vous. Vous êtes peut-être pas au courant, mais il fait chaud. Le saviez-vous? Étonnant, non? Une chaleur à crever, n'est-ce pas? Donnez-moi quelque chose de frais. Ok, allez, je crois qu'on est bon partout. Donc, on va foutre ça par là. Alors ça, ça marche pas, c'est pas grave, on s'en fout. On va le laisser comme ça. On est pas mal comme ça. Bon, je suis malade, j'ai mal à la gorge, j'ai la voix enrouée. Ça va pas du tout, mais bon. On a du bol, c'est pas un jeu qui va nous demander de trop parler, et surtout d'écouter. Donc, ce n'est pas très grave. Si, 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 il fait trop chaud, évidemment qu'il fait trop chaud, j'en peux plus, moi. Il est tellement chaud que j'en suis malade, vous vous rendez compte? Bon. Vous êtes trop dit. Aujourd'hui, je pense qu'on va finir le jeu, du coup. Vu qu'on en est à la fin de l'épisode 4. Après, on enchaîne avec l'épisode 5, qui est donc le dernier. Inutile d'être devin pour comprendre que la fin devrait se dérouler devant nos yeux ébahis au jour d'aujourd'hui. Oh non. Oh non. Oh non. Putain, je suis crevé. Chaud. Fatigue. Et mal à la gorge, on a la totale. La totale. Faut que je me repose là. Petite pause là. Petite pause de minutes et puis on y va. Alors, ce que j'en pense de ce jeu, mais il est très bien ce jeu, c'est Game of the Year. C'est Game of the Aventure. Life is Strange. Dès qu'on l'aura fini, on va se mettre au prologue. On va se mettre au prologue. Enfin, au préquel, je veux dire. Au prologue, du coup, c'est pareil. Au préquel. Hein, Before the Storm, là, qui sort en août, je crois. Hein. Le jeu qui a été annoncé à l'E3, tout le monde attendait la suite. Mais non, ce sera un préquel. Loul. C'est triste. Pourquoi ça me demande de faire Portal 2? C'est quoi le délire de Portal 2? Mais je l'ai déjà fait Portal 2, c'est quoi cette histoire? J'ai même fait une review de Portal 2, me semble-t-il. Hein. Si mes gros souvenirs sont bons. Bon allez. On y va. Putain, j'ai la voix complètement pétée. Hein. Je sens que je vais me la jouer à la Dark Vador. Alors, on était où? On était au dortoir des garçons. Voilà, il fallait aller farfouiller dans la chambre de monsieur Nathan Prescott, c'est ça. Pour trouver d'éventuels indices. Mais par contre, des indices pour où, pour pourquoi, je ne sais plus. Hein. Peut-être pour Rachel, non, c'est ça? Yes, because I want Nathan Prescott in the room next door. Good point. Je vais augmenter le son. Give me the signal if Nathan or anybody shows up. I won't let you down, Batmax. Now I just have to find Nathan's room. Et là, je me souviens même que la chambre, c'était le 111. Je sais plus comment on avait trouvé ça, mais elle l'avait dit. C'était la chambre 111. Mais du coup, il y a un truc que j'ai pas pigé, parce que Nathan, il a été viré du campus. De l'académie. Alors du coup, il devrait pas être ici. Il devrait. Enfin, c'est bizarre, hein. Il y a un truc que j'ai pas dû piger une fois de plus. Il a dû déménager, je veux dire. Il ne dort plus au campus. Vous voyez ce que je veux dire? S'il a été viré. Donc on est où, là, exactement? Evan. Of course. That's why no shits were given. Sucks ass! Fuck you, asshole! Bitch!
They have one more meeting left. Il y a un truc que j'ai pas dû piger, je pense. J'sais plus. Alors apparemment, la communauté a fait des niveaux sur Portal 2. Ah, la communauté a fait des niveaux sur Portal 2. Mais attendez, vous voulez que j'installe Portal 2 sur PC et tout? Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais ils sont barjots. Mais ils sont barjots. Portal 2. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne sait pas. Bon, bref. Je peux plus parler. Vous savez quoi? Je ne parle plus. Oh, attention, ça parle de Call of Duty, de World of Warcraft. A World of Warcraft. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Chaque semaine, nous allons explorer un nouveau jeu de code à WoW. Disons, ça va loin. Attention, c'est de Call of Duty à World of Warcraft. Des jeux de stratégie aux jeux de tir. Des jeux de stratégie. Non, World of Warcraft n'est pas un jeu de stratégie. Que la partie commence le vendredi, Wexler Media Center, 19h. Pour plus d'infos, G. Romero, Black Academy. Palpitant. Qu'est-ce que c'est que ça? Who would steal cat pics? In a world of Warcraft. Rechargement sac à dos volé le 15 septembre contenant Mata. Qui c'est qui parle là? On ne sait pas, c'est pas signé. La tablette neuve, la cafétéria. La tablette contient des photos de mes chats décédés. Des bons gros chatons. Bon, on a un objectif. Il faut retrouver la tablette volée de je ne sais pas qui, hein, puisque ce n'est pas signé. Est-ce que c'est signé? Oui, alors il y a une espèce de signature en bas, j'y vois rien. Mais non, c'est une adresse mail. C'est complètement con. Bon, il faut retrouver un sac à dos. Non, il faut retrouver quoi? C'est le sac à dos ou la tablette qu'il faut retrouver? Non, c'est le sac à dos. Il faut retrouver un sac à dos et dedans, il y a une tablette avec des photos de gros chatons qui sont maintenant décédés. C'est notre objectif prioritaire. Très bien. Marie-Thérèse, il y a la chambre 106 qui sonne. Ah bah elle est là, tiens, la chambre 106. Il y a la chambre 106 qui Even sonne, Marie-Thérèse. Nobody here learned anything about bullying. Marie-Thérèse. Oh, jerks. At least nobody messed with the Kate portrait. C'est le portrait de qui à droite? Je comprends rien, moi. Cry, hipster. C'est pas la prof de science. Je suis trop vieux pour ces conneries. Hein. Je ne comprends rien aux blagues des jeunes. Oh, it's all good in the wood. I sense Hayden is near. Oh, c'est tout bon dans les bois. On parle de cannabis, non? Je ne sais pas non plus, peut-être. Hello, Warren's room. Hawking and him make a good team. Stephen Hawkins. I can have a little fun with Warren for a change. I mean, he's the one who wants to go ape. Le sometimes you have le to take épique a chance rap battle avec Albert Einstein et oh, you Bigfoots. Et Walkins, il est énorme. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder, hein. C'est un des meilleurs, je trouve. Bon, ça, on s'en tape le gros coquillard. Looks like one of the jocks Sorry, Kate. Kate. Mais est-ce que vous êtes au courant qu'elle viendra jamais lire ça sur votre ardoise, les gars, hein?
Bon, où est la chambre 111? Alors, voyons, 109, on s'en fout. C'est où la 111? Il n'y a même pas de 111 ici, c'est quoi ce bordel? Attendez, il faut passer par là? Ben non, mais. Attendez, 110. Ah, c'est ici. This C'est can ici. only be Nathan's room. Voilà. Nous y sommes. Nous y sommes. Bien. Walking Hawkins, oui, Hawkins, oui. Bah oui, Hawkins. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Walkins. Ah, c'est parce que je suis malade là. Stephen Hawkins, évidemment. Bref, il est énorme Now I celui-là. need to find La Nathan's musique est phone excellente. or anything with Bon, il clues. faut trouver le portal. Ah, par contre, attends, on reçoit plein de SMS que je ne lis pas. C'est pas bien du tout ça. Alors, c'est qui? C'est qui celle-là déjà? C'est Joyce? Attendez, oui, c'est ça, c'est Joyce. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte? Ok, donc c'est pas très très intéressant. Ah, et Kate nous a envoyé un message. Et. Alors, elle a envoyé un espèce de smiley, une espèce d'émote que je ne connais pas parce que je suis trop vieux. Bah quand je vois ça, on dirait qu'on dirait un espèce de chat. Je vois un chat qui fait les gros yeux. Mais à mon avis, c'est pas un chat qui fait les gros yeux ce qu'on voit en bas. Non, ça doit être autre chose. Mais encore une fois, je suis trop vieux pour ces conneries. Je ne sais pas de quoi ça parle. Regarde ce que t'as écrit. Ah merde, j'ai pas regardé ce que j'avais écrit, tiens. Attends, on va ressortir du coup. C'était là? Non, c'était pas là. C'était là? Oui, c'était là. I Qu'est-ce que hope j'ai Warren écrit? doesn't think that's too dorky. I mean, not like he isn't. He'll laugh, right? I hope Warren doesn't Quoi, think c'est censé that's être drôle too ça? dorky. Are you made of I mean, not copper and like he isn't. tellurium because you're cute? He'll laugh, Ah, right? d'accord. I hope You Warren doesn't cute. think that's too Avec le CU et dorky. le TE I mean, not des like trucs. he isn't. Et ça fait cute, He'll c'est laugh, ça? right? Splendide. Oui, c'est moi qui l'ai écrit, j'avais compris, j'avais compris. Calmez-vous. Tout va bien. Il faut garder son calme. Go avancer dans l'épisode. Non, mais je prends mon temps. D'accord? Imprégnez-vous de l'ambiance. T'as, il a un vidéoprojecteur. Imprégnez-vous de l'ambiance. Ah, mais déjà, on va l'allumer parce qu'à mon avis, il y a un truc de pas très catholique. Tiens, on va regarder. Yes, I would be cool with having this high-tech projector. Ah, mais on peut pas regarder ce qu'il y avait. Ah, mais en fait, il marche déjà. Qu'est-ce que c'est qui est projeté, là? Et qu'est-ce que c'est que cette saloperie en petit baleine? Qu'est-ce que c'est que ça? On va regarder. C'est peut-être intéressant. Il y a une ombre. C'est lui qui a filmé ça? Putain, faut plus I que je can parle. rewind if he shows up, but I can't count on it. Il faut s'impliquer davantage. Ça y est, on est impliqué. Je pense qu'on est assez impliqué. Il a eu un diplôme de quoi, lui? So cute and Photographe? ironic. I can't believe Nathan still has it around. What? Le diplôme du meilleur fils du monde? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah, d'accord, hein. Par son père, le diplôme du meilleur fils du monde. Tiens, c'est marrant ça.
That monochrome camera is brand new and costs about $6,000. $6,000, bitch! I thought Victoria had the photo bling, but once again, the Prescott's rule. Ils sont trop blindés, les Prescott. I really hope they were all consenting models. Ah, je sens l'indice là-dedans. Dans le tiroir à chaussettes. J'essaie de vous traduire, parce que vous savez que je suis bilingue, attention. Hein. Hey, asshole! Donc, hey, Trouduc, hein, à peu près. We need to talk, on a besoin de te parler. Ou alors, je vais dire à tout le monde ce que tu as fait. And you're going to pay. Et tu vas payer, motherfucker! Tu vas payer, bitch! Voilà. Voyons. Oh putain, ça c'est exactement Trouduc! SAE, j'ai dit Trouduc, mais je me suis dit, à mon avis, c'est clairement pas ça. Putain, en fait, SOL, c'est vraiment Trouduc en plus. Oh là 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 là. Oh, mais je me respecte tellement. Oh. C'était vraiment ça, dis donc. Faut qu'on parle ou je balance à tout le monde ce que t'as fait, tu vas payer enculé. Voilà. Donc, Motherfucker, c'est enculé, évidemment. Mais je le savais. Bitch! Bon. Lecteur MP3. Ah, on va voir ce qu'il est, ce qu'il est. Whale songs. Maybe this is the only soothing thing Nathan ever hears. Le chant des baleines. Et comme par hasard, il y a des baleines échouées. Ah, coïncidence? Je ne crois pas. That must be the lamp Chloe broke when Nathan drugged her. Le mec, il écoute quand même des chants de baleines pour se relaxer. Hein. C'est normal. That must be the lamp Chloe broke when Nathan drugged her. La lampe qu'a cassé Chloé quand Nathan l'a droguée. That must be the lamp Chloe broke when Nathan drugged her. Ah bon? Comment elle sait ça, elle? I don't think one book can guide the Prescotts. What? Il lit ça, lui? Un guide ado parent de la maîtrise de soi. Il est un petit peu étrange quand même ce Nathan Prescott. Hein. Damn Nathan, that's a nice shot. If only all your energy went in. It's so damn creepy, but the guy has his own style. Voilà. Il y a un piaf crevé, il a pris en photo, il a trouvé son style. That makes sense. Je suis d'accord. Ah, il prend des médocs en plus. Ah oui, on l'avait déjà vu ça. Il est complètement camé. Hein. I'd cry too if I had him for a father and had to wear that suit. Loul, ça c'était marrant. Allez, une vanne marrante, je l'admets. Ah mais ça c'est ce qu'il y a sur le projet. Nathan is way into this party. Bad sign. That's bad. That's bad. Alors, de Nathan à Mademoiselle Victoria. Je vous laisse lire. Hein. J'ai trop mal à la gorge pour lire, j'en peux plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il raconte D'accord. Bastard. Now I remember why I hate you. And my Kate will get justice. Ah, la vidéo de Kate, ça c'est très intéressant ça. Il faut la lire. Oui, mais non, mais il faut la lire, vite. Appuyez sur lecture, enfin. Vite, je vais appuyer sur lecture. Merde, on peut pas. Putain, rembourser. Vortex Club, octobre 2013, Party Hard, Kate Gone Wild. Gone Wild, je sais pas ce que ça veut dire, ça. Mais si, c'est ça, c'est Kate se lâche. On peut pas lire la vidéo, c'est triste. Oh, man. Moi, ça me rend Sean triste. Prescott might be Nathan's real problem.
Ah, donc son problème, c'est son père. On va lire ça. C'est intéressant. Attendez, j'ai raté une photo dans le tiroir où il y avait le message S-Sol. Ah, j'ai raté une photo. Merde. De toute façon, il faut absolument tout inspecter dans une pièce, hein, sinon on n'est pas assez impliqué. Alors. Ah oui, je vois le truc. Ouais. Un petit peu envahissant le phaser. Too bad Nathan isn't more like his sister. She sounds awesome and far away. Bon, mais il y a à lire, hein. Ah, mais il avait une sœur aussi. D'accord, donc Christine Prescott, on n'avait pas encore entendu parler. Donc c'est la sœur de Nathan. Bien. Palpitante. Bon, la sœur, ça a l'air d'être le bon pilier de la famille quand même, hein. Elle a l'air bien, la sœurette. Bon, la sœur, ça va. XOXOXO, tout va très bien. Yes, Nathan sure needs diet pills. This is strong stuff. Wow. Kiss ass much, Principal Wells. C'est le proviseur. Donc là, c'est le black. On est bien d'accord. Hein. Ouais. Ok. Donc c'est tout. Bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment trouvé quelque chose d'intéressant. Holy shit! Holy That's the shit! gun Nathan A used to bitch! kill me. I give Holy him. shit! Holy shit! 9 mm. Uzi 9 mm. Ah, attendez, du coup, je vais voir cette fameuse photo que j'ai oubliée. C'est où, tu m'as dit? C'était là? That looks C'est like ça? a totally fun show. C'est pas une photo, ça? Even Nathan has a light side. Où c'est que j'ai raté le truc que j'ai raté là? Je ne vois pas. Ah, éraflure, ça j'avais pas vu. What the hell are all those marks on Ah, the un floor? indice. Inspecteur Colombo au rapport. Des éraflures. Qu'est-ce qu'il y a eu? Let's find out where you're Ah, je peux hiding. déplacer le canapé, attention. Attention, la trouvaille. La trouvaille, elle est là. Elle est Oh là. yes, little phone. You are mine now. Oh yes, little phone. You're mine now. Now I have Nathan's phone, so I can show it to Chloe. Ah, c'était le Or portable, oui, before d'accord, mais Nathan très comes bien. back. Bon, je n'ai pas trouvé la photo, hein. C'est où cette photo, là? Mais du coup, c'est parfait, hein. Je crois qu'on a trouvé ce qu'on était venu chercher, donc c'est très bien. Ah, mais c'est pas ça! Il y a une photo Man, ici. that dickhead stole one of my selfies. Mais quel intérêt, quoi! Quel intérêt d'avoir piqué un des selfies de Max? Je ne sais pas. Donc, elle est où cette photo? J'ai rien vu. Bon, on ne sait pas.
Usine 9 pièces, vous voyez tout ce que j'ai. Voilà. These films Là, il y a all de la have a dark pattern. référence. Vous voyez tout ce que j'ai. Usine 9 mm. Vous devriez prendre ma place. Qu'est-ce These qu'elle a dit? films all have a dark pattern. Nathan likes his tortured subjects way too much. Il aime un petit peu trop les sujets torturés. C'est pas bien ça, monsieur Nathan. Ah, il y a un truc en dessous le pieu. Nathan Prescott, all-American Ah. teen. Ça devient intéressant. Butts and boobs. Ah, voilà. Voilà ce qu'on cherchait. Maintenant, on peut repartir. Les plus beaux nichons de l'Oregon. Crystal, nouvelle photo. Très bien, Crystal. Moi, j'aime bien Crystal. C'est ma nouvelle copine. Très bien, Crystal. Oh, putain. Bon. Du coup, c'était où cette histoire de photo? Je crois que j'ai tout fait, hein. Je vois pas ce... Ah, mais c'est pas ça? Mais non, j'avais déjà regardé ça. Damn, Nathan. Mais That non. is so damn Bah alors, c'est creepy, quoi que j'ai but raté exactement? the guy has his own style. Bah non, rien du tout, j'ai tout regardé en fait. Non, mais c'est bon, on a tout vu, je pense. Ouais, c'est bon, allez. Dégageons d'ici. Un tiroir. Ah, c'était dans un tiroir! Mais pourtant, j'ai regardé dans le tiroir. Pff, je peux plus revenir maintenant. Je peux plus revenir. Ah, quelle connerie. Bon. J'ai le phone. Damn, Max, you're finally back. I got worried. So, what did you find? His room was clean and creepy. Check this out. Check this out. Boom, Nathan. We got you by the balls, fucker. What are you doing in my dorm? Bitch. You're such a nosy bitch, Max. Stop right there, you Asshole. make me ho. Max, I got this. Get the fuck out of my face. You are so fucking dead. Get off me, bro. Ah, c'est marrant parce que c'est typiquement le genre de décision où évidemment que dans la vraie vie, je pense que quelqu'un de normalement constitué lui dit arrêtez, hein, évidemment parce que le mec il est déjà à terre et tout, c'est bon, tu prends son flingue et puis t'arrêtes. Donc logiquement évidemment on devrait dire arrêtez, mais voilà, on est dans le jeu vidéo et puis c'est rigolo donc on va le laisser faire. Loul. You like to hurt people, huh? Voilà comme ça. Like Max? Voilà, travaille le Like ouf. me? Comme Like ça et me? puis comme ça et Huh? puis comme Kill ça. this motherfucker! Encore un petit coup. Je crois qu'il aime ça, l'enfoiré. He's down. Hey, come on. Stop. Il a eu son compte. Yes, we have to go. Bon, He's a est-ce qu'on peut bitch now. revenir? C'était Why? rigolo, mais bon. On va mettre la bonne réponse maintenant. Loul. Enfin, si on peut. On peut au Went moins. Ah oui, full on peut, c'est bon. alpha on Allez. Nathan, and it was C'est ça qui est good, con dans ce genre de jeu, c'est que but à chaque fois, en scary. fait, t'as une seule bonne réponse, la réponse logique, et en fait, tu fais l'autre, mais c'est pour rigoler, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on va faire la Damn, bonne Max, you're réponse, les finally gars. back. Arrêtez, Warren! Warren, stop it! Come on. Oh, oh my head! Why are y'all looking at me like that, huh? You, Non mais ils prennent you, même you're pas all le dead. flingue.
C'est énorme. Mais c'est énorme. Mais ça n'a aucun sens. Putain, mais ça n'a aucun sens. Son flingue était à terre. Il laisse se relever, prendre son flingue. L'autre, il aurait pu leur tirer dessus. Aucun sens, putain. Aucun putain de sens. Non, mais sans déconner. What the hell, quoi. Ils ont même pas pris le flingue, sans déconner. On aurait pu se faire tirer dessus. Ça n'a pas de sens. Warren, thank you so much. For what? For headbutting Nathan Prescott. That was awesome. I don't know. I almost went crazy there. Like Nathan. You're not anything like him. Good to know. So where are you going? I better stick with you guys. Just in case you need me to get my Hulk on again. Or should I call the cops on Nathan? No police. Not yet. So maybe you better, Warren, me and Max have to do this on our own. No offense. It's cool. Whatever I can do to help. What you can do is find out anything you can about Nathan's father. I'm on it. Between the snow and eclipse, I'm assuming the apocalypse is around the corner. And thank you. Seriously. I'll call you later. You better. I'm feeling pretty alpha now. Yes, you are. Il est trop viril. Man, that guy is so fucking in love with you. I know. He really did give a serious beatdown to Nathan. It was a little scary to watch him do that. Now let's make a date with Frank. Will he even answer you? Frank always answers when he wants money. Like I said, Frank wants to see me right now. Let's not keep him waiting. Allons voir ce bon vieux Franky. Alors, il n'y a pas de bonne mauvaise réponse, hein, le gros ours. Tu fais des choix, puis tu dis si, je suis pas du tout d'accord. Bien sûr que tu as les bonnes et mauvaises réponses, quoi. Et bien sûr que si. Et tout. Quand tu es à peu près normal, tu n'as qu'une seule réponse, en fait. Voilà, donc tu fais l'autre uniquement si tu veux t'amuser. Exactement là ce qui s'est passé, hein. Exactement ce qui vient de se passer. Je suis pas d'accord avec toi. C'est faux. It's wrong. God. I hate seeing those poor whales like that. Me too. I just think of their families in the ocean out there looking for them. Well, that asshole is gonna help us find Rachel. You know what would be great? If I still had a gun. Yes, the chance for gunplay would just about even the odds here. Frank would scare better. He's a pussy. Besides, if I take him out, you can just rewind. Chloe, do not count on my rewind. Seriously. After Kate, I feel like every time I do, it might be the last. There's no way we could have guessed this is what would happen to us when we grew up. I'm looking forward to the day when we can just go on a road trip to Portland. Fuck yeah. You, me, and Rachel. Absolutely. So, let's play this cool, okay? Just talk to Frank so we can get that code for the book from him. That's all. Got it. No dicking around. Let's roll. Franky. Attendez, je vais vous lire. Je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'ils sont en train de s'exciter sur le chat. Qu'est-ce qui se passe sur le bon gros chaton? Dites-moi tout, c'est quoi le problème? Quel est le problème exactement? Je veux savoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur arrive? Alors, c'est pas de jeu à choix. S'il y en a qu'un seul alors... Non. La meilleure réponse est celle qui a les meilleures conséquences. Pas la plus logique dans ton premier essai. Chloé a ramassé le flingue de Nathan. Du coup, c'est un bon choix. Non. Hooper t'assume pas, c'est tout. Non.
Si t'étais quelqu'un de normal ou peur, t'aurais laissé ce petit con se faire dérouiller. Non. Arrête de rembobiner et assume. Non. Là, sans l'argent des handicapés et sans le flingue, ça va être galère. Va falloir trouver la combinaison parfaite. Non. Une bonne réponse n'a pas forcément les meilleures conséquences. Non. Je prends le gun, je décharge et démonte, puis le disperse dans plusieurs poubelles. Mes gens ont peur de nous faire croire que dans la vraie vie, il va prendre le flingue Lul. Si ça s'est passé exactement comme ça, oui. Clairement, oui. C'est logique même. J'ai pas laissé le mec se relever, reprendre son flingue, puis me rebraquer juste derrière. Donc, en tout cas, tu restes pas planté là comme un piqué. Voilà, donc soit tu fuis directement, soit tu prends le flingue qui vient de tomber. Mais dans tous les cas, tu restes pas sans bouger en attendant que ce soit fini et que le mec reprenne son flingue. Je pense pas. Hein. Bref, donc la réponse est non. Bref. On n'a pas un bon chat aujourd'hui, je le sens. Un chaton de mauvaise qualité. There might not be any Panda States by Saturday. De très mauvaise qualité. Très, très, très mauvaise qualité. This is where my nightmare started. Ah, il y a le fondu qui nous montre le phare en haut. Coïncidence? Je ne crois pas. Ah, je peux regarder la baleine de l'autre. How can all of this not be connected to a major storm? C'est peut-être un petit peu de ta faute, non? Tu n'avais pas pensé à ça? Et j'ai bien fait de venir là, tiens. Encore une bien belle intuite à natation de ma part. How can all of this not be connected to a major storm? C'est la puissance dioptrique. Bien sûr, la puissance dioptrique. On connaît tout ça. Good thing there are no actual cops around to bust us. Une autre là-bas. Those beached whales look so awful, but still so majestic. D'accord, il faut failloter. Hooper, cette figure incontournable du jeu vidéo français. Ah. Le bon gros de chaton remonte dans mon estime. Ça, c'est bien. Très bien, ça. Très, très bien, ça. Francky, t'es là? Francky! Francky! This is where Frank ponders his existence. And gets drunk. Take the trash out sometime, dude.
Ah, le chien ne doit pas être loin. Hein. So Pompidou must be okay. Good doggy. Il fait le petit museau. Le petit museau. Oh, look. No wonder, twins. You should have come alone. C'est Minus et Cortex. Yeah, we're bodyguard. So let's get to business. Where's my fucking money? Where's my fucking money? Bitch! I don't have the money. Asshole! Yet. Motherfucker! Then why did you text me that you did? Because I wanted to tell you in person. Oh, I'm truly touched, Chloe. Now why are you losers really here? We just want to ask you some questions. You have some serious lady balls. No. Jesus, okay. Okay. But I'm not getting you high. Frank, we're not here to get high. No, you don't look like the type. Not like Chloe here. So what do you hardy boys want? Just the names of some of your clients. Oh, is that all? Oh, well, why didn't you just tell me? How about I just give you the keys to my RV while I'm at it? Parfait. Vas-y, envoie. Alors. Je dirais bien, aide-nous sinon, mais... Je sens que ça va mal se mettre. Qu'est-ce qu'on va faire? Réfléchissons. Listen, Frank. I'm sorry to be such a nuisance, but this is important. Yeah, yeah, everything's important these days. But I can tell you're not bullshitting me. There's no time for that, Frank. I just need a little bit of information. Yeah, yeah, well, it always starts with just a little. And Chloe here knows all about that, don't you? Come on, Frank, this isn't about me now. Yeah, right, okay. Both of you are giving me a headache. No deal. Frank, we didn't come here to fight. This is so much bigger than us. Oh, yeah, you didn't come here to fight. A day after, you pulled a fucking gun on me. I am so sorry about that. It might be the dumbest thing I've ever done. And I've done a lot of dumb things this week. Finally, I believe you. But don't ever aim a gun at anybody unless you intend to kill. Although you don't look like you could kill a bug. I try not to. And I never would have pulled the trigger. I was just... Dude, she was scared, all right? You pulled your blade on me. We were all freaked out. Now we're all cool. Please? Okay. We're cool for now. But my dog isn't. And if you try any shit, he will bite your head off. He's done it before. We're only here to talk. I wouldn't mess with your dog. Shit, you wouldn't have time. You like dogs? C'est un petit grand. Chloe and I gave your doggie a bone when we... So you're the ones who let him out? You broke in here and let my dog out? What the fuck? Wait, that's not what... Seriously, Frank, don't get all spun out. We're only here to find Rachel. Rachel isn't in here! And I'll spin you on your ass! What the fuck are you dorks up to, huh? Trying to break into my business? This time, the price is wrong, skank! Calm down, Frank. Let's just talk. Not ever tell me what to do! Whoa! Get off of me! Motherfucker! Bah, loul. I better rewind right now. Ah non, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'utiliser mon pouvoir. Non mais, what the hell? Ah bah d'accord. Bon, je crois qu'on a mal fait un truc. À mon avis, la dernière réponse a été un petit peu mauvaise. Hein. On va remonter tout ça. Tu es quand même pas en train de remonter au début, là. Bon, il fallait pas dire que... Oh non, tu déconnes, oh putain. Bon, il fallait pas que je dise en fait que j'allais donner un os. Parce que du coup, il a compris que je l'avais laissé sortir. J'aurais juste dû dire, j'aime les gros toutous. Hein.
Ouais. Tell me exactly what I need to do here. Non, je veux dire Pompidou est un bon chien, c'est plutôt ça. Qu'est-ce qu'il raconte à ce soir ce que tu dis, oui? Please watch your mouth. You have no social skills here and you will piss off Frank immediately. You kind of love this, don't you? Fine, I'll try being like you for a change. Or how you used to be. Bon. Alors voyons. Merde, c'était quoi la question? Mais what? Fermer la porte, pas là pour se battre, pas d'armes. On va dire qu'on n'est pas là pour se battre. Thanks for hearing me out, Frank. Look, we only want to talk, and it's not even about you. We're not here to start a fight. No, that shit would be over pretty fast. Don't fuck with me, and I won't return the favor. So what do you want? Just the names of... Oh, is that all? Bon, là, je vais répondre le même. Listen, Frank. Yeah, yeah, every... There's no time. Yeah, yeah. Come on, Frank. Right. Frank. Oh, yeah, you didn't come here to fight. I... Finally, I... I... Ouais, donc là, je vais lui dire... We're only... Shit, you... Voilà, Pompidou est mignon. Il fait les oreilles. Oh, Pompidou is so cute. Oh! The only way you know my dog's name is if you broke into my RV. That's how we got out. You two, are you crazy? That's my dog. Wait. No. That's not what... Seriously, Frank, don't get all spun out. We're only here to find Rachel. Rachel isn't in here, and I'll spin you on your ass. What the fuck are you dorks up to, huh? Trying to break into my business? This time, the price is wrong, skank. Calm down, Frank. Let's just talk. Not ever tell me what to do. Je crois que c'est un petit peu foutu. Mais c'est de la saloperie. Whoa! Get off of me! Motherfucker! I have to rewind, now. On s'est encore fait avoir comme un petit marcassin. Bon, en fait, j'aurais vraiment dû dire uniquement j'aime les chiens et puis c'est tout. Hein. Loul. J'aurais dû en rester à mon premier avis du départ. Juste j'aime les chiens et puis c'est tout. Voilà. Et puis c'est tout. Listen, Chloe. I can tell you for a fact that this one. Max. Please. You kind of love this. Oh, look. The one... Ah, look. She's my partner. Look. Yeah, we're bodyguard. So let's get to business. Where's my fucking money? I don't have the money. Yet. Oh, really? Then why did you text me that you did? Because I wanted to tell you in person. Well, I'm truly... Thanks for hearing me out, Frank. No, that's just the. Oh, is. Bon, on va juste lui dire qu'on aime bien, et puis ça ira. Hein. Alors, we're on est désolé. Yeah, yeah. There's no. Yeah, yeah. Come on, Frank. Évidemment, du coup, si on lui dit qu'on l'appelle par son nom, il comprend qu'on l'a déjà eu et tout. Fait encore, c'est un petit peu. Comment... I'm so sorry about that. Déjà, comment on connaît son nom? Peut-être que Chloé connaissait déjà son nom avant et qu'elle nous l'a dit, donc... Enfin bref, on va rien dire, hein. On ne va rien dire. We're only... Shit. I love dogs. Quoi? T'aimes les chiens? Bah alors ça veut dire que t'es allé dans ma caravane, putain de merde, sinon tu pourrais pas aimer les chiens. Loul. Real bad. But he's dead now, and I trained Pompidou how to be my friend. That's very cool, Frank. Your dog is lucky you came along. Maybe we can focus on rescuing Rachel now? Rachel? Is that why you're really here? Yes, we're so close to finding her now, Frank. We need all the help we can get now, especially from you.
You and Chloe do not know Rachel like I did, and I couldn't even help her. You're in way over your heads. Why don't you just go play in your clubhouse? Qu'est-ce que tu caches? Listen, I read Rachel's letter. I know how much she cares. Ah non, merde, je vais pas lui répondre ça. Huh? Mais non, mais c'est pas ça que je veux répondre. I don't trust you at all. Now get out of my face. We don't have much time, Frank. Rachel needs you. Il faut avoir comme un gros marcassin. She's gone. You don't even know her. Like you did? I loved her, asshole. And she loved me. I know that. Chloe, you don't know shit. You were part of her problem. Always trying to take her away from me. Always. Calm down, Frank. Let's just talk. Not ever tell me what to do. Mais quelle saloperie. Bon, là, j'avoue, c'est ma faute. J'aurais jamais dû dire que j'avais lu ses lettres, évidemment. Bon, j'avoue que j'ai fait n'importe quoi sur ce coup. Je l'admets. Je l'admets. Listen, Chloe. I can tell you. Max. Please watch your... You kind of love this. Thanks for hearing me out. No, that shit would... Just the name. Oh, is that all? Listen. Yeah, yeah, everything's in... There's no time for... Yeah, yeah. Come on, Frank. Right. Frank. Oh, yeah, you didn't... I... Finally. I... Dude, she... We're only... Shit. I love dogs. Period. I wish I had one trained as well as yours. Yeah, he had a bad trainer before. Real bad. But he's dead now. And I trained Pompadour how to be my friend. That's very cool, Frank. Your dog is lucky you came along. Maybe we can focus on rescuing Rachel now? Rachel? Is that why you're really here? Yes, we're so close to finding her now, Frank. We need all the help we can get now. Especially from you. You and Chloe do not know Rachel like I did, and I couldn't even help her. You're in way over your heads. Why don't you just go play in your clubhouse? Bon alors, ton bracelet. Le bracelet, je crois que c'était à la décharge. Donc si je lui dis ça, il va encore nous dire quoi? T'es rentré dans ma cabane à la décharge? Oh, ok. Mais la photo de Rachel, ça par contre, je sais plus. Est-ce que ce qu'on a trouvé une photo de Rachel? Est-ce que ça aussi c'était dans sa caravane? J'en sais rien moi. Je me souviens plus. Je sais plus. Je vais mettre la photo. Est-ce que c'était chez lui ça aussi la photo? Rachel said she gave you one of her favorite photos. That proves how much she cares. And you care. Ah. That's why you have to help. C'est bon, on est bon là. Did you know about that photo? That's my favorite picture of her. I can look at it anytime and she'll always be there for me. I can't stand not knowing where she is. Not hearing her voice or her laugh anymore. We can change all that. It's up to you. Help us find her, Frank. Please. We really need your client list. Well, if there's a chance in hell, you two dorks can find Rachel. Yeah, I'll take it. My dog isn't barking at you, so I guess that's a good sign. D'accord, donc finalement, il nous donne son flingue. Yeah, thanks, Frank. Seriously. It's hard to take you characters seriously, but I want son flingue. Good luck. Plutôt, il nous redonne notre flingue.
Bon, on peut dire que c'est du first try, hein. Tellement mal branlé cette histoire. That was cool. Frank gave up the code to help us. Rachel must have seen something good in him. On va aller le titiller juste un peu. Bon. Quittons cet endroit diabolique. Vous vouliez que je mette que je ne mette pas la photo parce que vous vouliez que je me trompe encore. Voyez à quel point ils sont méchants, ce bon gros de chaton. Il est méchant, ce bon gros de chaton. Il est vilain. Chloé. Très vilain. I'm glad things worked out okay with Frank. It's nice to have one less enemy in Arcadia Bay. Amen to that. I better focus on the floor and start tying these clues together. Frankie, c'est Frankie. Ouais, on veut zoner, on veut zoner. Bon, d'abord, on va mettre un petit peu de musique. Ah. Alors. Collecter des renseignements de nos élections. Ouh là là, attention, c'est une énigme. I have to analyze Nathan's messages. What could help me unlock this phone? Mais j'en sais rien, moi. Alors attends. On a quoi exactement? Dossier d'étudiant, un dessin, un flyer, une feuille, une carte SIM. Donc le téléphone il est là et une feuille. Loul. Bon ben allons sur la feuille. Oh, so busted. It's good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. D'accord, mais qu'est-ce que tu veux faire exactement? Je crois sélectionner, il se passe quoi du coup? Attendez, faut associer des conneries. Bon, attendez, je vais le désélectionner parce que j'ai rien compris. Bon, on va essayer le, ça, le dossier d'étudiant, c'est quoi ça? Putain, il faut trouver son code avec ça? What the hell? Ah bah attendez, ça doit être ça, non? Voyons, on a quoi là? On a. C'est quoi tous ces téléphones là? Pourquoi il y en a 150 000 de téléphones ici? Bon, là on a ça. Très bien. Bon, le flyer, il y a quoi là-dessus? C'est le Vortex Club Party où Nathan drogue Kate. Did he do the same thing to Rachel at another party? Bon, le 4 octobre à 8h. Je vois pas trop en quoi ça serait intéressant. Encore une fois, c'est peut-être pour le code, mais bon. Ça. Holy shit. Nathan is seriously unhinged. But those numbers might be useful. Ouais, si tu veux. Couldn't hurt to give this pin code a whack. Bon, mais déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut la carte SIM. Donc, je sélectionne la carte SIM. Alors, ça, c'est quoi? If there is a dark room, we better find it. It's a good thing Chloe slipped all these files on her flash drive. Ça, je vois pas en quoi ça peut être intéressant. Il y a pas de chiffre. Donc, je mettrai celui-là plus celui-là, le dossier. Plus la feuille chelou là. Plus la feuille. Non, pas ça, non.
Bon, et le flyer là. No. This is not working. Ah non, elle nous dit directement que ça fonctionne pas. Ok, alors on va... Je vais virer le flyer. Je vais mettre le machin du bas là. Better look for any clues or numbers that could be his pin code. What the hell? Qu'est-ce qu'on est censé faire exactement, putain? Comment je vais trouver? Attendez. Là, on est d'accord, il n'y a rien qui peut nous aider ici. Donc, déjà, c'est pas ça, on est d'accord, ça peut pas être ça. Du coup... Ah, mais non, il y a le téléphone aussi. Ah, mais j'avais pas pris le téléphone. Il fallait que je prenne le téléphone aussi, j'avais pas vu que je pouvais prendre le téléphone. Alors, attendez. Ah, alors, attendez, du coup, ce que je vais faire... Je prends le téléphone. Je prends la carte SIM. Je prends ce machin-là parce qu'il y avait plein de numéros. Et je prends la feuille. Ok, Max. Ah, mais voilà. Hey. Voilà, juste parce qu'en fait, j'ai pas vu que je devais prendre le téléphone aussi. Je pensais que le téléphone était à part. Voilà, mais en fait, on pouvait aussi prendre le téléphone. Bon, mais voilà. Très bien. Let's start hacking. Là, je peux déverrouiller, là. Ah, mais non. Ah, mais non, j'ai toujours pas, en fait. Bon, attendez, on va faire les autres indices, parce que... En faisant les autres indices, on verra bien ce qui se passe. Alors, indice, monsieur David. Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. Ah, c'est pour savoir ce que Nathan faisait la semaine de la fête. Mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie? David should have done way more than take photos of Kate. Maybe he was trying to help Kate in his own messed up way. I hope in this case that David has good tracking skills. Bon, ça du coup, ce sera certainement utile. Et je dois en sélectionner 3, c'est ça? Il y a marqué 3. Bon, je dois en sélectionner 3. I hope he was tailing Nathan. Does David know what's going on with Rachel or is he just paranoid about everybody? Bon, ça n'a rien à voir avec Nathan déjà. Donc ça, on va laisser tomber. You need to get rid of these damn cameras, David. Ça, on va laisser tomber. Ah, quoique. Mais non, on va laisser tomber, ça n'a aucun intérêt. At least David was finally going after the right suspect. Je pense pas non plus, même si on voit bien Nathan. David really has been on Rachel's ass for a while. She should have been upset. Ça non plus. Of course, I'm a suspect. Proving David sucks as a detective. Bon, ça non plus. Sorry. Ok, bon. Alors moi, je mettrai déjà ça, les coordonnées, là. Peut-être la plaque d'immatriculation. Et le dernier, c'est pas ça. C'était quoi ça déjà en bas là? Non, c'est pas ça. Et ça, c'était quoi? Non. Ben non, ça non plus. Putain, je sais pas trop. Ça, quoi, de toute façon, on va faire au hasard. Je vais faire au hasard. Voyons celui-là. I must have missed something. On va faire celui-là.
Looks like David was tracking somebody's car. Non. Maybe even Nathan's. Good clue. Bon, je vais faire, je vais tous les faire là. Oh, you're treading water, Otter. Ça, c'est logique que ça n'ait pas de sens. And that's all she wrote. Ah ouais, c'était ça en fait. Je pensais pas que ça aurait une incidence en fait, la photo de Nathan qui avait frappé Warren. En fait, si. En fait, si. Bon, pour l'instant, on est pas mal, hein. On est pas mal. Donc, indice David, on est bon. Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? Une bien belle question. Putain, en fait, c'est pas fini. Une fois que t'as fait ça, il faut encore faire des conneries après. Putain, la vache. Bon, je vais d'abord faire le machin de Frank, même si en fait, je pense que tout est complètement dissocié. Mais c'est pas grave. Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. Les transactions de Frank. Max, attends, redis-moi ça. We can snap all these pieces together. Roger. Ah, il le redit même pas. Bon, les transactions de Frank. Rot must stand for Rottweiler. That does fit Nathan. Rotten. There's no doubt she loved him in some way. Bon, ça non. So weird how close they were. But Frank, so what happened to Rachel after this? She dumped Frank, but I don't think he would hurt her. Bon, ça non plus. Ah, il en faut que deux là. La vache, il en faut que deux. Merde. Frank is for sure the local dealer, but I doubt Rachel was carrying drugs for him, right? Ça non plus. Maybe Rachel took a road trip with Frank. Bon, but ça non plus. She did come back. Ah, ben déjà il y a ça. Frank's account book. Ok, d'accord. Bon, ah, mais ça, j'ai trouvé. Tu prends donc le livre de compte avec les clients cryptés et tu prends ça. Parce que ça, c'était. Ouais, voilà, ça aussi. On va voir. Oh, first try. First try direct, les gars. Eh, boum. Je prends les deux bons du premier coup. Y'a rien à dire, y'a rien à dire avec une suite à ta nation. Oh la 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 la. Oh la 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 la. La tuite à ta nation. Impressionnant, n'est-ce pas? Mais je le serai aussi à votre place. Je le serai aussi. Bon, par contre, il faut faire d'autres trucs après. Et là, pour le coup, je n'ai rien compris. Bon, essayons le machin du bas. Qu'est-ce qu'on doit faire là? Il faut trouver le code. Comment t'es censé trouver le code? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais ça propose juste de regarder. Qu'est-ce que tu veux que je... Oui. Mais je n'ai pas d'interaction possible en fait, je comprends pas. T'es verrouillé? Ah non, je dois vraiment... Putain, la vache, je dois vraiment le faire comme ça? Ah la vache! Putain, je suis obligé de le trouver avec ce que j'ai là? Mais comment tu veux que je trouve le code, là? Parce que ça... C'est pas 1-1-1? Ce serait ça? Ce serait 1-1-1? Code PINSIM 1-1-1? Je vais essayer. On va voir. Bad code. Ah ben non, c'est pas ça. Donc c'est pas du tout 1-1-1. Bon. Ah non, make sure to change it. En fait, il a changé. Ah oui, d'accord. Ça devait être 1-1-1 au départ et ensuite il a changé. D'accord, c'est ça. Voyons.
Alors là, il y a plein. Ah, ça pourrait être 9, 5, 3, 5 parce qu'il est entouré. Ouais. On va essayer 9, 5, 3, 5. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Eh ben non. Non, pas du tout. Bon, on va aller voir l'autre. Et ce truc-là. Bon, ça doit être un de ceux qui sont à côté. Ça peut être du coup 0198 ou 7063 ou... Ok, on va faire 70-63. You locked it, dumbass. What? Je l'ai bloqué. Oh merde! C'est quoi cette connerie? Ok, c'est bon, il est marqué là. Attendez, il y a marqué quoi? 878 978 978 08. Putain. Alors 878. Qu'est-ce que j'ai dit? 978 978 08. Bon, 08. Booyah. Let's find out what Nathan Prescott has been trying hein? To hide. Ah mais c'est bon. Ah mais j'ai même pas besoin du code du coup, il s'est déverrouillé tout seul le machin. Ça n'a aucun sens. Loul. J'ai même pas eu le code en fait. Le truc s'est débloqué sans code. Ah bah du coup, on ne saura jamais ce que c'était. On ne saura jamais ce que c'était le code. Bon. Faut remonter le temps. Ben non, regarde, ça a marché. Bon, c'est un petit peu con, mais ça a marché. Hein. Bah oui, c'est le principe du code PUC. Ah bon? Moi, j'ai pas de téléphone. J'ai un iPhone depuis peu. Alors du coup, quel intérêt d'avoir un code si n'importe qui peut faire ça? What the hell? Donc une fois que tu bloques ton portable, tu peux déverrouiller comme ça et puis c'est bon, tu déverrouilles totalement. Mais du coup, à quoi ça sert d'avoir un code? C'est très étrange. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il raconte du coup? Ah, il y a un bis et il y a un asshole. C'est principal. Alors attendez, il me faut du G. Tu m'as donné de l'eau enculée, loul. Amène-le-moi, j'arrive, viens pas, y aller keuf. Y aller Hendek. Hendek. Y aller Hendek. Bon, dis Yes. donc. This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club party. Faut connaître le code PUC aussi. Ben oui, c'est ça. Ouais, voilà, si tu veux. Bon, et alors, mais on s'en fout de ça. Ah merde! Attendez, je suis trop parti loin là. Merde! Attendez. Donc, ok. Voilà, il prépare la pipe et ce qu'il veut, c'est très bien. Ouais. Je veux de la péruvienne! Il faut de la beuh. So it was you.
Now I can officially call you a psycho stalker. No, Nathan, it's time for you to watch out. Asshole. 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 Ah, c'était pour nous, ça. Is this from Nathan's father? That's brutal. Ok, c'est tout. D'accord. Bon, mais rien de très palpitant, hein. Bon, maintenant, faut faire les autres. Bon, allons-y avec Monsieur Franky. Alors, oh putain la vache. Alors, un deal entre Frank et Nathan ou le Vortex Club. Donc, il faut trouver trois trucs qui concordent, donc. Trois éléments concordants. Bon, mais déjà, ça, je pense que ça en fera partie. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. Bon, ça... Je ne pense pas pour ce qu'on cherche. Everybody in Arcadia Bay must be high. That explains ça, je ne pense pas non plus. Il y a quand même la date. If Frank applied this kind of detail to his life, who am I to talk? Ça parlait de la plage là. C'est peut-être celui-là alors. Two deals with Nathan on the same day? Party supplies, no doubt. Ah. I'm getting a contact high just reading this. Bon, ok, en fait, c'est que des trucs comme ça. I wonder what dog name Frank would have given me. Il faut trouver la bonne date. Oh, attendez. Ouais, un petit peu relou. Alors, ce que je vais faire, vu qu'il y en a... Ah, mais non, il y en a trois quand même. Ah, merde. Bon, c'est sûr qu'il y a celui-là, mais alors après, les deux autres... Attends, comment je suis... Attends, il est chaud, c'est chaud, ça. Attends, c'est pas évident, ça, là-haut. Il est chaud, celui-là. Attends, je sais même plus la date que c'était ni rien, moi, oh. Ça déconne plein tube, là. Pas assez impliqué, hein. Ça doit être ça. Le truc, c'est que je me souviens plus, donc je vais pas faire au hasard. Pff, attends, là, je sais pas du tout, là. Bon, je vais faire celui du bas, parce que là, avec Franky, ça me dit plus rien, là. On va faire ça. Bon, il va faire quoi déjà? Je sais même pas, putain, mais il n'y a rien expliqué, nom de Dieu. Il y a 150 à choisir. Faut choisir quoi? Bon, attendez. Est-ce qu'on peut avoir des informations ici? Voyons. Bon, laisse tomber. Il n'y a rien expliqué là-dedans. Oh nom de Dieu, c'est quoi cette saloperie? Attendez, relis la première feuille, tu as les vrais noms et le nom de code. Ah bon? Bah oui, un deal entre Frank Nathan ou le Vortex Club, mais c'est... Ah
Ah voilà, c'est Roth égale Nathan. Ok, d'accord, voilà. Roth égale Nathan. D'accord. Donc du coup, ok, il n'y a que celui-là. Donc en fait, il faut voir tous les trucs où il y a Roth. Ça doit être ça. Voilà, donc. Du coup, ce serait, il y aurait celui-là. Il y aurait le premier. Là, non. Là, non. Là, oui. Alors, il y aurait là aussi, du coup. Ce serait le premier, celui-là. Ici, non. Et le dernier. Ouais, le dernier aussi. Ok, donc on va dire, on va faire celui-là. Celui-là. Et le dernier. Et voilà, du All the first times and try! places for Frank and Nathan's deals. Loul! That's First kickbacks. try, vous avez vu ça un peu? Bon, par contre, l'autre là, j'ai vraiment rien compris. Hein. Le dernier là, avec David. Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match Attendez, the c'est quelle coordinates? voiture appartient à Nathan et à ce... Ah voilà, ok, d'accord. D'accord, il faut savoir quelle voiture appartient à Nathan pour les coordonnées de trucs. Il faut en trouver trois. Voyons. Who does this car belong to? Peut-être à Nathan, non? Interesting. Is this Nathan's car? Il faut retrouver la bonne plaque Of d'immatriculation, course, quoi. Nathan drives an SUV. Ah, voilà. Ah, d'accord. Ok. Donc, ça veut Overcompensating, dire que. as usual. Ok. Vu qu'on voit que le phare a été pété derrière. Du coup, ça veut dire que le clignot, il a été pété. Donc. C'est celui-là. Ah, il en faut deux autres. Bon, déjà, celui-là, c'est sûr qu'il y est, du coup. Ouais, c'est certain. Le clignot gauche est pété. Et donc ça veut dire que c'est S, F, machin. Donc c'est ok, celui-là ça en fait un. C'est sûr. Wowzer, this looks like an expensive Ah machine. mais non, c'est pas ça. Donc du coup c'est pas ça non plus. Le haut. Et du coup on pourrait prendre celui-là, celui-là. Mais en fait, il faut faire avec les coordonnées aussi. Voilà, c'est Yep, ça. another car David was tracking. Attends. Mais là ça nous montre même pas les. C'est même pas le numéro de la plaque ça. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Why the hell are you following these people? And to where? Latitude, longitude, comment je peux savoir ça? That's definitely Chloe's car. There's Nathan dealing to the kids right out in the open. Putain, je vois pas du tout comment je peux associer la plaque avec les coordonnées qui sont de l'autre côté. Okay, let's find out Comment whose je suis car censé this associer? is. Ah, mais si, il y a marqué en haut. Ah, mais attendez, j'avais pas vu qu'il y avait marqué en hauteur. Ah, j'avais pas vu que le numéro de la plaque était en haut. Le numéro de la plaque est en haut, putain. Donc ça veut dire que. Le bon. Voilà, ok, d'accord. Maintenant, j'ai pigé. Voilà, le bon, c'est celui-là. Voilà. Ok, donc le bon, c'est celui-là. Voilà, ça y est, j'ai pigé. Je comprenais pas. D'accord. Ok, donc je prends celui-là aussi. Et donc le dernier, certainement celui-là. Now we're finally Voilà. getting somewhere. J'avais pas vu qu'en haut. Chloe, En haut des let's feuilles de plug in these coordonnées, il y numbers avait and le see numéro if de they la lead plaque. to C'est an pour ça que je actual comprenais pas, address. quoi. Aye, Captain. Here we come, Rachel. Bon, mais ça y est, on a fini là, non? Take a breath. Oh! Mais what? C'est pas fini, Go through putain, all c'est this quoi data and ça? you can Passe toutes find ces données out en where revue et Nathan tu vas stayed after découvrir the où Nathan a party. mené Kate après la soirée. Oh putain, mais ça se finit jamais cette saloperie. Oh, quoi, y a tout ça? Mais what? Y a 50 trucs! Oh putain.
Oh putain, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mon Dieu. Bon. Alors. D'abord, attendez, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est, il faut trouver quoi? Mais répète-le au moins, c'est trop important, il le redit pas. Mais c'est hallucinant, redis-le au moins. Oh, il le redit même pas. Qu'est-ce qu'il veut trouver quoi? Il faut que je trouve quoi, putain? Oh la vache. Bon, déjà, vu qu'il y en a trois, c'est évident que ça va être un d'en haut, un du milieu et un du bas. Et... élémentaire, mon cher Watson. Hein, ça, déjà, c'est la première évidence. Alors par contre, qu'est-ce qu'on doit prendre? Je sais pas. Déjà, qu'est-ce qu'on voit? Je ne sais même pas ce qu'on voit, putain. Ah ok, d'accord. Ok, donc... D'accord. Bon, déjà, ce sera pas celui-là. Ouais, c'est pas celui-là, ça c'est sûr. Voyons. C'est pas celui-là. Non, ça sera pas celui-là non plus. Merde. C'est pas celui-là non plus. Celui-là non plus. Ce serait le premier alors? Bon, je dirais le premier, mais oulala, attends, c'est vachement chaud là. Attends, c'est un truc de ouf là. Attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah non, voilà, très bien, voilà, c'est avec ça que ça va nous être utile, voilà, ok, maintenant on a la date, putain. Voilà, c'est le 4 octobre à 20h, donc maintenant il suffit de recouper ce qui s'est passé au 4 octobre à 20h. Donc ça, c'était quand ça? Voilà, donc c'est pas ça. Voilà. Donc, ça, c'était quoi, ça? Donc, c'est pas ça non plus. Ça, c'était quand? Ah, ça va être ça. Ah, c'est ça. Ok, je pense que c'est celui-là, du coup. Ce serait celui-là. Ah, attendez. Non, parce que ça, c'est après 20h. Mais attendez, du coup, on cherche un truc qui s'est passé après 20h ou avant? J'en sais rien, moi. Bon, ça peut être que deux. Ça peut être celui-là ou celui-là. Ah, ça peut être celui-là ou celui du bas. Ah non, parce que là, il dit mec. Attendez. Ah non, non, celui du haut alors. Donc c'est celui-là. Je pense que c'est celui-là. Je pense que c'est celui-là. À mon avis, c'est celui-là. Bon, alors ici, qu'est-ce que c'est ça? Je dis, je ne vois rien. Ah, attendez, du coup, c'est Roth, donc ça veut dire que ça, c'est Nathan. Le 39. Donc ça va pas du coup. C'est pas le bon. Ça. Ça, c'est pas le bon. Ça. C'est pas le bon, ça. Ah, ça peut être celui-là. Ouais, ça peut être ça. Sauf que... Non, parce que l'heure ne correspond pas, j'ai l'impression. Merde. Merde, putain! Take a breath, Max. Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Alors attends. Attendez. Il y en a deux. Il y en a deux. Comment je sais lequel est le bon là? Attendez, est-ce que...
Est-ce que là il dit ce qu'il veut? Est-ce qu'elle dit ce qu'il veut exactement? Non. Je tape avec les détails, mais. Et en bas, c'est quoi? Was Frank meeting Nathan at the junkyard? That beach is like Frank's main office. Putain, c'est pas évident quand même, hein. I know Nathan wasn't looking for Bigfoot in the forest. Somebody is stocking up on gas. Why? Ah. Ça peut être celui-là. C'est le 4 octobre aussi, à 21h54. Ah, celui-là est intéressant. No doubt that Nathan stays in his dorm room. So, he could be hiding clues there too. Celui-là aussi, du coup. Not much out there. C'est chaud cette merde. Hein. Oui, donc là on s'en fout du coup. If Joyce knew what Nathan did to Chloe, she would fry his ass. Et là on s'en fout aussi. Bon. Ok, donc là on a tout vu. Hein. Celui-là, c'est à 23h. C'est à quelle heure le gros là? Allez, il passe à 22h30 donc. Ouais, ce serait pas mal ça alors. Parce que là, c'est à quelle heure là? Eh ouais, donc ça, c'est pas possible. Ouais, donc ce serait celui à 23h, c'est-à-dire celui-là. Voilà. Ce serait ça. Je vais le valider. Alors par contre, là, en bas, je pense que je vais faire au hasard parce que sérieux. Là, je vois pas bien. Hein. Ça pourrait être celui-là. Je vais essayer. Max, there is no logical link between non. Those clues. Est-ce que je peux le désélectionner? Bon, je vais juste désélectionner. Je vais prendre celui-là, voyons. Ouais, on va faire celui-là. If I can match one of the text messages and transactions with Frank, then I can find the exact location. Oh! Hey, Chloé, sans déconner, presque first try. Hein. Franchement, pas mal. Hey. Zéro aide du chat, je vous assure. Hein. J'ai rien regardé. Hein. Nothing, Max. Alors, venez there's surtout pas me dire here. Que j'ai triché it's ou quoi que ce soit. Attention. Hein. Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Somebody named Harry Aaron. Prescott. I'm shocked. I'm shocked. Call the police? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir. Sir, yes, sir! Maintenant, ou pas, explique-nous tes choix sur cette énigme. Bon, pour celui du bas, j'ai un petit peu fait au hasard, hein, pour le coup de la photo, là. Parce que, à part avec la date... Bon, par contre, pour les deux du haut, voilà. Du coup, c'était la photo qui montrait cette espèce de cabane.
Mais pour les deux duos, c'est logique. Hein. Elle a appelé Nathan du coup pour la fête là. Pour voir si elle pouvait lui ramener je sais pas quelle sorte de drogue là. C'était à 22h et quelques, donc après il était logique que l'autre fasse son espèce de facture pour, à 23h le même jour. Donc, that makes sense, n'est-ce pas? Ils sont donc arrivés à une grange. Hein, c'est pas ça? Attends, on a encore reçu une saloperie de Monsieur Warren. Est-ce qu'il va encore aller au drive-in, c'est ça? Il va aller voir le cinéma? Tu me saches, petit scarabée, qu'est-ce qu'il raconte? Ah d'accord, il veut qu'on aille prendre des costumes de Batman, Spider-Man et compagnie, c'est ça? D'accord. Du coup, je regarde un petit peu le chat pour voir qui avait spoil, qui avait rien dit. Enfin, si ça avait spoil déjà. Voyons voir ça. Moi, je trouve que je me suis démerdé à peu près correctement. There has to be another way in, Max. I bet you can find it. Oh putain. I hope this is the right place and we didn't mess up the coordinates. Si, c'est ce que je suis en train de voir. Bon, évidemment, il y a toujours deux ou trois qui disent que Hooper ne comprend rien, mais qu'est-ce qu'il fait? Patati et patata. Watson, we can safely on s'y habitue pas. Is not our suspect. Bon, il faut trouver un moyen d'entrer dans la grange. Des traces. These are thick tracks and definitely fresh. Nathan's SUV? Watch us. Bon, mais je vais lui parler. Chloe is so damn fearless. Ah non, je peux pas lui parler. D'accord, il faut vraiment que je trouve quelque chose du coup. C'était pas bien loin. Chloe, I found the front door. Come on. Oh yes, Maximus rules. Maximus. Il te réclame. Maximus. Hey, check out this old chest. Maximus. A little louder, Chloe. Jeez, that is ancient. Jackpot. Old shit. No, look closer. Harry, Aaron, Prescott, and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescott's bring bomb shelter boom to town. My scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area.
Je vais le cacher dans cette grande. But that can't be the only thing here. Even Harry Aaron Prescott was into selfies. La classe. This tractor has paid its dues. I guess the Prescotts were just born bastards. Oh. Ah oui, déjà dès 1903, dis donc. Wow, sir. Talk about home on the range. There's no way this rusty ass button will activate these ropes or pulleys. Si tu le dis. No more secrets, Sean Prescott. On va découvrir tous les secrets enfouis de la famille Prescott. If a zombie shows up, I have my weapon. C'est pas faux. C'est quoi ça? Ah. These hooks are used to lift haystacks. I saw them in a Friday the 13th movie. Il y a pas un truc à faire avec ça, on a l'impression qu'il faut faire un truc, non? Non. Mais... Ah, il y a un truc sous le sol. Ah d'accord, il faut trouver un truc sous le sol. Hein. Une sorte de cave. Qu'allons-nous trouver? Scope out the perimeter, Max. There has to be more here than this crate. Ah, c'est bien ça. Une trappe. Une trappe. Totally brand new. Why? Attendez, il y a un truc en haut. Une caisse. Ah, the good old days. Ring, ring. So many haystacks, so few needles. Bon, est-ce que je peux forcer le cadenas là? Merde, c'était pas là. C'était là. No, Supermax. You can't open this with your bare hands. Peut-être avec la fourche, mais ça m'étonnerait. Hein. Okay, Chloe. Ah, mais non, c'est avec ça. I found some kind of hatch, but it's locked. I got this. I hope. Ah, d'accord. Ah, donc du coup, c'est maintenant qu'il faut que j'aille appuyer sur le bouton. Le bouton. Ah non, pas du tout. Lol. J'y ai cru. Ah, le tracteur peut-être. Non. Ah, la plateforme. Ah, Chloe, can you give me a hand? Sidekick at your service. Hop, hop and away, Supermax. I dig having minions. Supermax. Ah non, c'est là-haut. Normal ça? Ah oui, c'est normal. Très bien. That looks sturdy enough to stand on. Alors, on va les visiter. Ah 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 ah.
rope. I can't pull this rope without tearing my flesh off. Oh, I need to hook this rope to something heavier. Un vieux hibou. C'est un vieux hibou. Oh. Il est tout ronron. Good evening, Doctor Who. Sorry. Here's the other end of the rope. Bon, tu veux que je redescende ou quoi là? Bon, faut redescendre, j'imagine. T'es sérieux? Je peux rien faire là? Attends, il faut que j'accroche la corde à quoi? Que je n'ai pas d'interaction. Attendez. Et comment tu veux que j'accroche la corde à quelque chose, sachant que je ne peux rien faire? Il y a un truc que j'ai raté là. Loul. Il y a un truc que j'ai dû rater. Je vais y reparler à Chloé. Je ne peux même pas lui parler alors. Ça va plus vite comme ça. Qu'est-ce qu'il fallait faire en hauteur? Je pouvais rien faire pourtant. Je ne comprends pas. Ah non. Une pince coupante. I need something strong to... Smash this padlock. Yavol, Aeroburst. Je sais pas ce que j'ai raté. Qu'est-ce que j'ai raté? Il faudra un pouvoir qui permet de remonter dans le temps. Ah, c'était donc ça. Ah oui, d'accord, ok, ça y est, je viens de comprendre le boulon. Ben oui. Ah oui, d'accord, comme ça je vais pouvoir l'accrocher au moteur. Et ensuite, je vais faire tomber le moteur. Ah, la ruse est finaude. Toujours pas. Ah, ça y est. Voilà, c'est ça, c'est sûr. Donc, tirer. Ah, ça va être ça. Évidemment. Je ne pensais plus à mon gros pouvoir. Ah non, pas du tout. Je pensais que j'allais accrocher la corde au moteur, moi. Ah merde. Ah mais si. Ah mais si, c'est ça, mais je suis... Si, si, en fait, c'est bien ce que je pensais, mais c'est juste qu'elle l'a pas fait. Faut revenir. Énorme. Énorme. Alors, donc en fait, il faut que je prenne la corde. Voilà, il faut d'abord attacher la corde, évidemment. Sinon, ça va marcher beaucoup moins bien. Et voilà, maintenant, il faut le pousser. Attendez, vous m'aviez dit qu'il fallait 45 minutes, grand maximum 1 heure, pour finir l'épisode. On en est à 1h50. Heureusement qu'on n'a pas continué la dernière fois. Putain. Je peux vraiment pas du tout vous faire confiance, sans déconner. Hein. C'est incroyable. Hein. Damn, this is heavy.
Un laboratoire secret. Jackpot. Umbrella Corporation. Do I even need to say how weird this is? He just did. Who built this kind of place? A Prescott, of course. Qu'allons-nous trouver? A G-Virus? This bunker is so surreal. Mais what? Y'a carrément un bunker et tout avec une porte blindée? Attends, c'est quoi ce bordel là? Putain, c'est quoi cet endroit? First a padlock, then a digicode? Non, évidemment, on n'a pas le code. Hein. Really ouais, alors là. Ah, attendez, attendez, attendez. Le 2, le 4 et le 5, regardez. On subit l'usure du temps. Alors, je pourrais le faire au hasard, mais attendez. Je vais d'abord lui parler pour voir. This is too heavy to break, so I'll need a code. Ah, on a que ça, hein. Il n'y a pas d'autre indice. Ah la vache, putain, si j'avais pas vu... Putain, si j'avais pas vu... Si j'avais pas vu les marques sur le dos, le port, en même temps c'est quand même vachement visible. Hein. Si j'avais pas vu les marques, on aurait été bloqué en fait. Par contre, on a obligé de le faire au hasard, on est d'accord. Donc je vais faire. Allez, 5, 4, 2. Oh! T'es sérieux? Oh là là là, la petite intonation, mais du first try! Oh, du first try! Oh, c'était tellement beau! C'était tellement beau que ça m'émeut! Tant de maîtrise, ça m'émeut! What the hell is this? Bon, au moins, il y a de la bouffe. C'est le principal. Il y a des céréales. Look at these cans. David must shop at the same store. Whoa. This says it all about Nathan. Bon, he voyons. Needs help. Bon, mais là, ça semble évident que c'est Nathan Prescott qui est quand même un petit peu à l'origine de tout le bordel. Hein. Avec tout ce qui se passe quand même. Ouais. Duct tape in a bunker is always a bad sign. Oh, putain, ils ont fait le... Putain. Le vieux rideau est un mur. Hein. Mais qu'est-ce que c'est cet endroit, sans déconner? Ah, putain, ils devaient faire genre des photos morbides ou des trucs du genre ici, je suis sûr. Ça doit être ça. This must be the crap that Nathan gets from Frank. Needles. Attendez, il se passe quelque chose là, ça y est. Il se passe enfin quelque chose. Ah oui, d'accord. C'est très particulier. That's an original signed illustration. Fits perfect in here. I guess Nathan needs the most expensive printer in the world. Oh, that son of a bitch. Son of a bitch. Son of a bitch.
$1,350,000 pour ce bunker, c'est ça? Mais du coup, le père, il le sait alors. Le père est au courant. Talk about tortured. Enfin, il est au courant qu'il y a un bunker, mais il n'était pas au courant de ce qui s'y passe à l'intérieur, vous me direz. Putain, c'était les classeurs qu'on voyait à la fin d'un épisode, ça. Il y avait ça. Donc, c'était à cet endroit. Okay. A binder marked Victoria, but it's empty. Look, the next one says Kate. Oh no, Kate. No. God, I should have killed that bastard back there. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Victoria has to be next. Nathan must be planning to dose her tonight at the Vortex Club party. Rachel. This can't be real. These are all post shots, right? Right? Chloe, look at her face. She's out of it. Maybe Nathan paid her a shitload of cash to do this. She probably would have. I don't think so. Why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please, let's go. Oh my god. Rachel, Kate, all of these rocks. This picture is framed different. Rachel is awake and fucking furious. Rachel has passed out and she has something in her mouth. What happened to her? This shot is so staged. I can't believe it's real. I can't. Du coup, derrière, c'est le Nathan, alors. Kate looks so doped up. She has no idea she's being posed. At least Kate was asleep through all this bullshit. 1 ça y est, il se passe enfin quelque chose dans cette histoire, dis donc. Il aura quand même fallu attendre. I've never seen so much pricey equipment before. So who's using this fancy tripod? Du coup, est-ce qu'en fait il les torture et il prend des photos, c'est ça? Il les drogue et puis les torture et il prend des photos. Ce serait pas ça son gros délire. Hein. À monsieur Nathan. These newspapers are all about Rachel and Kate. Somebody likes their whiskey. Bon, je crois qu'on a tout regardé. Il est sympa son bunker, hein. Apocalypse Entertainment System. Let's see what's in here. Oh my god. Oh my god.
Attendez, mais ça, c'est bien Kate. Mais du coup, elle s'en souvient pas de ce qui lui est arrivé? Donc, elle se souvient pas de ce qui lui est arrivé, alors, parce que ça, quand même, là, elle est carrément attachée et tout. Elle s'en souvient plus. C'est ça, elle s'en souvient pas. Il y a que ça? Il y a que ça. What is going on between Nathan and his father? Attends, et donc le père, il est bien au courant, hein? Donc le père, il est bien au courant. Oh yeah, school suspension is a deal breaker in the Prescott family. Enfin, quoique, je sais pas, je suis pas sûr, là. Bon, je crois qu'on a tout regardé, là. Je vois pas trop ce qu'on aurait pu. On l'avait vu ça. Son of a bitch. Ah, on l'a vu. Ok. Bon. Faudrait peut-être aller voir les flics, non? Aller à la décharge. Ah non, pas du tout. C'est quand même le premier véritable gros rebondissement depuis le tout début, quoi. C'est un rebondissement, c'est pas un rebondissement, mais bon. Chloe, slow down. Wait for me. On va dire où il se passe vraiment quelque I know chose, exactly quoi. Where I'm going. Bon, à mon avis, là c'est la fin de l'épisode, il va sûrement se passer un truc. Il va sûrement se passer quelque chose ici. Look, this is it. This is it. Are you gonna help me, Max? Chloe, stop. Look. Please, no. Oh, that smell. Rachel. Oh, Rachel, no, no. Ah, d'accord, ils please, ont reconnu no. qu'elle était là. Elle avait été enterrée ici. Il y a encore la biche translucide qui disparaît. Ah la vache, c'est pas fini! Ils sont sérieux? Nathan enjoys his last party. Chloe, we can go right to the cops. We have proof. Fuck the police. Rachel wanted us to find her. So
Fuck la police! La police! Fuck la police! The Prescotts have had this coming for 100 years, and nobody is gonna get in my way. Especially with your help. Right? I'm with you to the end, Chloe. You know that. Attends, mais... Me dites pas que l'épisode ne va pas se finir, là, c'est pas possible. You're right. Look at the outline. I can't tell if they're different. What is that? It can't be two moons. Jesus, Chloe, look up at the sky. Beautiful. I don't give a shit. The world is ending. Cool. You're not listening. Something major is going down. That's right. Nathan Prescott is going down. Il y a une double lune maintenant. Welcome to the end of the world, ladies. I'm glad you decided to escort me. You look really good, Warren. Are you all right? Une double lune, comme une double réalité. Nathan is dangerous. Where is he? I didn't see him at the dorm again. I was held up in my room. Dude, have you been drinking? Well, if you consider half a beer drinking. Let's go, Max. Hey, hey. I know this is a bad time, but can I get one picture? I've been feeling like this might be actually the end of the world, so I want to have something for prosperity. Well, I don't blame you, Warren. I know, I'm pain in the booty. Just one picture. Action. We've got no time for this shit. Come on, Max. Sorry. I just wanted to feel like a normal student. Je sens que cette photo va être utile. Je sais pas pourquoi. I never hit anybody. Peut-être pour revenir exactement à ce moment-là plus tard. I was always the one getting my ass kicked. Possible. We still need your expert help. If you see Nathan, text me immediately, okay? And do not let him see you. He won't. I know how to be invisible here. Not to me, Warren. Text soon. Hi, can I take your code or anything? Attendez. Une pause un petit peu violente. Attendez, vous me dites qu'il reste encore 45 minutes à 1 heure. Mais vous êtes sérieux? Mais non. Attends, mais cet épisode est 2 fois plus long que les autres. Attendez. Pourquoi la dernière fois vous m'avez dit qu'il restait 45 minutes à 1 heure, alors qu'il restait 3 heures de jeu, sans déconner? Non mais sans déconner là. Vous m'avez dit qu'il restait 1 heure. Il restait 3 heures en fait! Non mais je rêve là! Bon mais du coup on fait une pause. Hein. Là ça fait 2 heures, ça fait 2h09 là! Non mais je rêve! Bon ben on fait une pause, voilà. On prendra tout à l'heure. Enfin, j'ai fait un petit café moi ou je sais pas quoi. Putain, c'est n'importe nawak là! Ah non, c'est 20 minutes maintenant. Bon, alors, il y a quand même une différence entre 45 minutes et 20 minutes, putain. Il te reste 15-20 minutes maintenant. Bon, de toute façon, on fait une pause. Voilà. C'est pas grave, on le fera après. Luffy qui dit qu'il reste 40 minutes. Bon, de toute façon, on s'en fout. Qu'il reste 10 minutes, 40 minutes, on s'en fout. De toute façon, après, il y a aussi l'épisode 5. Bref. Bon, en tout cas, c'était sympa, là. Moi, j'ai bien aimé, là, le coup du bunker. Ça fait plaisir d'avoir enfin, de voir qu'il se passe enfin quelque chose dans ce putain de jeu, quoi. Donc c'était pas mal. Bon, petite pause et on se retrouve dans 10 petites minutes pour la suite. Le suspense est insoutenable.